Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous verrons comment il est possible de protéger sa photo de profil pour empêcher que quelqu'un puisse l'enregistrer ou la partager. Surtout si tu as voulu être de manière assez confidentielle sur Facebook, je ne veux pas que les gens puissent télécharger ta photo, puissent même faire une capture d'écran même de ta photo. Voilà, à plus force dire même partager, je vais te montrer cette technique-là qui va te permettre d'en arriver là. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification qui est juste à côté. C'est vraiment très très important d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Donc, comme je le disais, nous allons voir comment il est possible de pouvoir protéger sa photo de profil pour empêcher que quelqu'un puisse la télécharger ou même faire une capture d'écran. C'est vraiment très simple. Pour cela, vous allez d'abord vous rendre sur le Play Store. Voilà, on se rend sur Play Store. Une fois que vous êtes sur Play Store, vous allez télécharger une application du nom de Kiwi Brothers. Voilà, Kiwi Brothers. Voilà, vous allez télécharger l'application Kiwi Brothers. Voilà, on attend que le téléchargement puisse se terminer. Voilà. On patiente. Voilà, 81%, 94% et 100%. Ok. Une fois que vous avez fini de télécharger l'application, vous allez faire ouvrir pour rentrer dans l'application. Voilà, on fait ouvrir. Et une fois vous êtes dans l'application, on appuie sur continuer. Voilà, une fois que vous êtes dans l'application, vous allez vous diriger sur Facebook. Voilà, Facebook, vous allez rentrer votre compte et votre mot de passe. Donc là, je vais rentrer mon compte et mon mot de passe. Voilà, je me suis bien connecté sur mon compte. Voilà, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous allez venir sur votre profil. Voilà, vous allez venir sur votre profil. Et une fois que vous êtes sur votre profil, vous allez venir appuyer sur le petit 1 qui est là. Vous voyez, juste en haut ici, il y a le petit 1 ici. Vous allez appuyer dessus. Voilà. Avant même d'appuyer dessus, regardez, vous voyez qu'il n'y a absolument rien sur ma photo de profil. Vous voyez, il n'y a rien sur ma photo de profil. C'est une photo simple et tout. Voilà. Donc, vous appuyez sur le petit 1 ici. Et vous allez venir ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet. Et là, vous allez écrire ici, Profile Shield. Voilà, vous voyez la marque, c'est marqué sur l'écran. Vous voyez, profile picture go to Facebook, profile picture go. Voilà. Donc vous allez appuyer dessus sur le deuxième ici et vous allez venir installer l'extension. Vous allez venir appuyer sur ajouter à Chrome. Vous voyez ici, c'est marqué ajouter à Chrome. Voilà, ajouter à Chrome. Vous appuyez dessus et vous allez appuyer sur OK. Voilà, la vérification en cours. Voilà, et on voit bien que ça a été installé à Chrome. Une fois l'extension a été ajoutée à Chrome, vous allez revenir sur votre profil Facebook. Voilà, profil Facebook. Et vous allez venir appuyer sur les trois points qui sont ici. Vous voyez les trois points qui sont ici. Vous allez venir appuyer dessus. Voilà. Une fois que vous appuyez sur les trois points qui sont juste en haut ici. Les trois points qui sont juste en haut ici. Vous allez appuyer dessus. Et vous allez descendre. Et vous voyez que ici c'est marqué Profile Picture juste en bas ici. Vous voyez, c'est marqué Profile Picture Got for Facebook. Vous allez appuyer dessus. Voilà. Et vous allez regarder en bas. Vous allez venir activer ça. Où c'est marqué Turn On. Voilà. Vous appuyez dessus. Et vous appuyez OK. Et c'est tout. Une fois que vous avez activé ça, quand vous allez revenir sur votre Facebook, vous allez actualiser. Vous voyez que maintenant votre profil est sécurisé. Donc si une autre personne essaie de venir sur votre Facebook, je vais me connecter sur mon deuxième compte pour vous montrer un peu. Voilà, là je me suis connecté sur mon deuxième compte et on va se rendre sur le Face sur lequel j'ai activé l'option. Donc là on vient dans recherche et j'écris Amekone. Et quand vous écrivez Amekone, vous voyez que désormais il y a un truc qui est sorti sur ma photo de profil ici. Et lorsqu'on rentre dans la photo de profil, on voit qu'il y a une impossibilité de télécharger la photo de profil. Même lorsqu'on essaie de faire une capture d'écran, je vais essayer de faire une capture d'écran, vous allez voir.
cette application n'autorise pas la prise de capture d'écran. Donc, vous voyez, il est impossible de télécharger la photo. Il est impossible aussi de faire une capture d'écran. Voilà, donc avec cette option-là, personne ne pourra télécharger votre photo de profil. Personne ne pourra faire une capture d'écran de votre photo. Voilà. Donc, si tu as aimé ce tuto, n'hésite surtout pas à laisser un gros pouce bleu et aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu apprendras énormément de tutos sur cette chaîne. Porte-toi bien et reste toujours branché sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao, ciao.